Le papyrus Bodmer est daté environ des années 170 de notre ère. C'est la plus ancienne copie d'un exemplaire presque complet de l'Évangile selon Jean. Si Jésus a bien vécu aux alentours des années 30, un siècle et demi sépare donc ce papyrus des actes et des paroles dont il fait le récit. Cet écart peut paraître immense, mais par exemple, 400 ans séparent l'œuvre de Virgile des premiers manuscrits qui nous sont parvenus. Et ces distances, En de 14e eeuw dans le cas de Sophocle of d'Aristophane. De teksten des évangiles seraient donc plutôt exceptionnellement proches de leur source par rapport aux autres manuscrits de l'Antiquité. Ze namen dus Jezus over. Hij droeg zelf het kruis en hing de stad uit naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Daar werd hij gekruist en met hem twee anderen, aan weerskanten één. En Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift geschreven dat hij op het kruis liet aanbrengen. Er stond geschreven, Jezus de Nazareer, koning der Joden. Vele Joden nu lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisd was, lag dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Euh, donc, euh, là, nous venons de lire un des récits de la Passion, celui de Jean, donc, et alors qu'il y en a quatre autres, ou trois autres, euh, celui de Marc, et, euh, à savoir la tradition évangélique la plus ancienne, écrite aux alentours des années 70. Vous voyez, nous, nous sommes dans un milieu qui vivait éminemment de la tradition orale, ce qui comptait alors, c'était la parole. Beaucoup plus que l'écrit, il a fallu que les secousses de l'histoire, en l'occurrence la destruction de Jérusalem, hein, pour amener, pour voir le danger, en quelque sorte, de voir perdre ces traditions orales. Et donc, la mise à, euh, par écrit progressive de ces traditions orales. Et Marc, eh bien, nous allons tous 110 peu avant, peu après, qui peut le dire hein, Et a mis par écrit cette première euh, trame évangélique écrite. Ensuite, Matthieu et Luc ont repris, aménagé ce texte de Marc en fonction de leur Église, et puis, et puis aussi en fonction d'autres traditions qui leur étaient propres. Et enfin, l'évangile de Jean. Ah, l'évangile de Jean qui pose bien des problèmes au point de vue de la critique littéraire, puisque, somme toute, nous avons là une tradition orale peut-être antérieure à celle de Marc. Et en même temps, la dernière, donc avant bien avant les années 70, et une tradition mise par écrit dans sa dernière rédaction. Eh bien, avons-nous dit tout à l'heure, dans les années 80, 80 90, 95, qui peut le dire avec certitude. D'abord, nous n'avons pas de manuscrit remontant à l'époque de la rédaction des écrits. Nous aurions l'un ou l'autre manuscrit autographe de l'un des évangiles. On pourrait euh, assurément faire des. Recherche sur la datation de, du papyrus, ou du parchemin, de l'encre, etc. Or, nous n'avons pas cela. Nous n'avons que des documents dont les plus anciens remontent aux toutes premières années du deuxième siècle, rien de plus ancien. Donc, nous ne pouvons pas pénétrer par les moyens techniques jusqu'au moment de la rédaction de ces écrits, et pas davantage pour les épîtres de Paul. Nous aurions conservé. Un ou deux autographes des épîtres de Paul, ça serait passionnant et on pourrait en tirer des tas de conclusions. Nous ne l'avons pas. Alors, euh, cette difficulté-là euh, est réelle et ne doit pas être négligée. Par ailleurs, euh, on est euh, contraint à faire des comparaisons, par exemple, entre les évangiles pour savoir euh, quel est le texte le plus ancien, quel est le. La relation entre les différents récits qui visiblement ne sont pas indépendants les uns des autres mais nous posent des problèmes de relation entre eux, euh, c'est un travail très hypothétique et très difficile à, à conduire jusqu'à des conclusions absolument formelles, euh, ce qui explique qu'il y ait des opinions divergentes sur la question. Alors il y a des opinions divergentes qui sont peu vraisemblables parce qu'elles sont mal fondées, il y en a d'autres qui ne sont, sont pas invraisemblables parce qu'elles sont argumentées et qu'elles reposent sur des constatations effectives. Vous prenez un texte, soit Évangile de Jean, ça peut être les Actes des Apôtres, ça peut être l'Évangile de Marc, peu importe, vous prenez un texte, vous l'analysez, vous, vous voyez des contradictions, je vous en donne une qui est flagrante, dans saint Jean, donc, au chapitre 13, donc le début ce qui va faire le début de tout le discours qu'on appelle euh, après la scène, pas? donc une unité hein, de temps. Hein? Euh, Jésus annonce euh, qu'il s'en va, et Pierre lui dit explicitement Seigneur, où vas-tu hein? Puis Jésus disant Où oh, je veux, tu peux pas suivre, etc. Enfin, bon. Au chapitre 16, bon, encore une fois, le même complexe euh, chronologique, c'est -ce même, au même moment presque, hein? même parole Jésus dit, annonce qu'il s'en euh, qu va, et il dit Et aucun de vous ne me demande Seigneur, où vas-tu alors que Pierre l'a demandé explicitement quelques, enfin, quelques minutes avant, pourrait-on dire, n'est-ce pas Donc les deux vont pas ensemble. Hein Ce n'est pas au même moment qu'on a écrit ces deux textes-là. Ah, ça ne va pas. Alors vous avez, comme vous dites pas mal, comme ça, des incohérences qui montrent que l'Évangile n'a pas été ré rédigé d'une seule, seule venue. Enfin, c est, c est, ou bien des textes différents qui ont été, mais de traditions parallèles qui ont été mêlées, ou bien un texte a évolué, etc. L'Évangile de Jean est certainement une œuvre littéraire. Je dirais, on y perçoit clairement la main d'un auteur. D'un auteur peut être déconcertant, parce qu'il est vrai que l'Évangile parfois euh, paraît un peu en désordre, qu'il y a des, des ruptures dans, dans la chronologie, dans la topographie, euh, qu'il y a parfois des inconséquences. À la fin du chapitre 14 dans le discours d'adieu, Jésus dit... « Levons-nous, partons d'ici », et puis il parle encore pendant trois chapitres. Hein euh, à la fin du chapitre 5, il se trouve à Jérusalem, et au début du chapitre 6, il passe de l'autre côté du lac. Du lac de Galilée, euh, c'est loin, Jérusalem. Hein euh, donc il y a un certain nombre, je dirais, d'inconséquences, ou peut-être d'insouciance dans la construction, comme si... Le fil existait, mais parfois se rompait. Ces anomalies, ces incohérences à l'intérieur de chaque texte, ne renverraient-elles pas aux sources mêmes des évangiles Sinon, pourquoi auraient-elles survécu Pourquoi le texte des évangiles n'aurait-il pas été harmonisé On est encore dans la diversité, encore une fois, quand vous prenez d'une part les synoptiques, d'autre part Jean, vous voyez euh, d'énormes euh, différences dans la façon de conduire un, un évangile, de, de mettre par écrit l'évangile, et puis ensuite, quand vous comparez les synoptiques, vous vous rendez compte que euh, certains, Matthieu et Luc par exemple, ne se privent pas de modifier Marc. Parce que euh, la forme sous laquelle une parole est rapportée dans Marc ne rentre pas bien dans euh, la façon de euh, situer, par exemple, ce récit ou cette parole dans Luc ou dans Matthieu. Et il suffit de regarder ce qu'on appelle une synopse, c'est-à-dire la représentation des trois évangiles côte à côte, pour voir dans quel sens se fait la modification. Oui, C'est d'une extrême importance d'avoir ces contrariétés entre les textes évangéliques. Grâce à Dieu, nous n'avons pas qu'une seule source. Hein, où, où, où il y aurait la source Marc, et puis Matthieu qui ne ferait que répéter, Luc qui ne ferait que répéter, etc. Mais non, mais non, 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 non hein. et, et ils ont chacun, même si Matthieu et Luc usent de Marc, ils ont chacun leur tradition et leur manière propre à, à désigner la personne de Jésus. Et c'est justement à partir de ces, de ces de jeux de lumière différents selon les communautés, et je dis qu'on arrive le mieux à saisir, historiquement parlant, la figure de Jésus, avec, avec, avec quelques solidités. Il y a. Plusieurs traditions, euh, enfin, pardon, plusieurs écoles, plusieurs hypothèses pour expliquer ce qu'on appelle le problème synoptique. Autrement dit, quand on compare les évangiles de Marc, Matthieu et Luc, hein, à la fois vous avez des ressemblances et des divergences. Alors comment les expliquer hein? Donc alors, des théories qui ont été émises. Alors actuellement, on peut dire que vous avez euh, trois grands courants traditionnels, enfin, traditionnels euh, d'interprétation. Je donne les théories, je vais les schématiser, je les prends en ordre chronologique, enfin la plus ancienne. Donc, euh, la théorie qu'on appelle des deux évangiles maintenant, mais qui a été euh, élaborée par un savant allemand il y a deux siècles à peu près, de Grisbach. Alors, pour Grisbach, la théorie est très simple euh, l'évangile fondamental est l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, alors l'évangile de Luc dépend de l'évangile de Matthieu, et l'évangile de Marc dépend à la fois de Matthieu et de Luc. Donc il aurait euh, simplifié bah, les deux évangiles, puisqu'il n'a pas les évangiles de l'enfance, il n'a pas, pas le serment sur la montagne, ou le serment de la peine, etc. Donc il aurait simplifié les deux évangiles. Alors, la théorie de, des deux sources, élaborée à la fin du enfin, milieu du siècle dernier, hein, euh, distingue la, les matériaux communs aux trois évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) et ceux qui sont communs simplement à Matthieu et à Luc. Par exemple, euh, les <coughs> sermons sur la montagne avec sermons dans la plaine dans le Luc, etc. Alors, à ce moment-là, on a l'évangile premier et celui de Marc lorsqu'il s'agit des matériaux communs aux deux. Matthieu et Luc dépendent de Marc. Et ce qui est important pour la théorie de source, Mathieu et Luc dépendent de Marc sans se connaître. Hein Ils ne sont pas connus. Mais alors, pour expliquer les documents, les matériaux communs à Mathieu et Luc ignorés de Marc, on suppose une source Q, que la lettre Q, étant la première lettre du mot quelle en allemand, qui veut dire la source, hein, et Matthieu et Luc dépendraient donc de Q. Voilà. Donc un schéma plus compliqué et surtout qui suppose un document hypothétique, hein, Q, dont on n'a plus aucune, euh, aucune attestation matérielle maintenant. Hein. On le reconstitue simplement à partir des deux. On parle de la source quelle, mais il y a tendance récente de parler aussi de l'évangile quelle. De dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une source, mais il faut considérer ça comme euh, un écrit qui a valeur en soi, qui n'a pas seulement source de Matthieu et de Luc, mais qui a une valeur propre et qui a le privilège d'être appelé sur, euh, évangile aussi bien, que Marc, aussi bien que Marc et Matthieu et Luc. Je crois qu'il est préférable de garder l'appellation Quelle, parce que cela indique aussi le caractère hypothétique de cette source. Nous avons le texte de Matthieu et de Luc, le texte de Marc, nous n'avons pas ce texte de la Quelle. Cette reconstruction, et comme ça, j'ai donc présenté la Q-synopsis, une présentée du texte de Matthieu et de Luc en parallèle, mais le texte Q est une hypothèse, c'est un texte hypothétique. Pour cela, c'est intéressant de garder ce nom de Quelle. Mais donc, il y a une dépendance secondaire de Matthieu et de Luc vis-à-vis -vis de la Quelle comme deuxième source. C'est l'hypothèse des deux sources. Deux sources de Matthieu et Luc, on appelle synoptiques parfois, les deux grands synoptiques, Matthieu et Luc. Et ces deux grands synoptiques ont deux sources, Marc l'Évangile et la source de la laquelle Alors, troisième courant, hein, c'est celui, moi, que je, je, je prône, et je ne suis pas le seul, n'est-ce pas Pour étudier les rapports entre les Évangiles, il ne faut pas prendre les évangiles tels qu'on les a maintenant, hein, donc pour eux il y a Matthieu, c'est le Matthieu qu'on a maintenant, le Luc qu'on a maintenant, mais il faut prendre des états antérieurs des évangiles. Par exemple un proto-Mathieu, hein, un proto-Luc, un proto-Marc. Et ça va donc compliquer les choses évidemment. Alors on va avoir donc Matthieu ici en dernier, Marc ici et Luc. Bon, ce sont pour moi donc les derniers niveaux. Hein. Alors, J'admets un niveau plus ancien de Matthieu, qui sera Matthieu 1, si vous voulez, et là Matthieu 2. Également un niveau plus ancien de Marc, Marc 1, Marc 2, niveau plus ancien de Luc, mettons Luc 1 et Luc 2. D'ordinaire, on appelle ça, par exemple, Proto-Mathieu, Proto-Marc et Proto-Luc. Alors, les influences vont pouvoir être complexes. On aura des influences bon, de Marc, effectivement non pas sur ce Matthieu-là, mais sur le Matthieu deuxième, de Marc sur le Luc deuxième. Alors, à ce moment-là, on rejoint un peu la théorie de Dessous, mais en plus, on aura influence de Matthieu I sur Marc, et de Luc I sur Marc également, dernière rédaction de Marc. À ce moment-là, on rejoint un peu la théorie de Grisbach, où Marc est le dernier. Donc, une solution plus complexe, beaucoup plus souple et je crois, qui permet de tenir compte de pas mal de, de faits littéraires que la théorie de source n'envisage pas, ou que la théorie de Grisbach n'envisage pas non plus. Donc, une espèce de je dis pas synthèse, c'est un peu trop simplifié, mais on a tout de même un peu une part des deux théories fondamentales. Alors, en plus de ça, bon, il faut admettre également des, 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 des niveaux plus anciens ici, un niveau plus ancien, mais enfin, je ne veux pas trop compliquer les choses pour l'instant. Et il y a des gens qui disent... La théorie est trop simple. Il y a deux sources qui doivent expliquer tout. Je crois qu'il euh, il, il y, y a complexité, en tout cas. Le problème des, des évangiles est trop complexe. Mais la complexité réside pas dans les sources, mais dans la rédaction des évangélistes. C'est euh, une différence fondamentale avec certains autres auteurs que j'ai signalés quelque part. On peut donc mettre toute la complexité dans les sources et dire quand il y a une, une similitude entre les deux, une différence entre les deux, il y a une source commune, ou il y a une source différente, etc. Donc, une complexité de sources. Mais je crois qu'il y a là, euh, un certain manque d'études et d'analyse des évangiles et de la rédaction des évangiles et on peut à partir du même texte, à partir du même texte, arriver à des compositions à première vue très différentes, mais tout de même enfin donc basées sur ce texte-là. Donc les indications pour avoir Marc comme source des deux et les indications pour avoir un source supplémentaire, quelle, donc à côté de Marc. Pour, comme explication des de textes parfois très similaires, presque identiques en Matthieu et Luc, d'autres qui sont plus divergentes. Euh, donc euh, là, je crois, avec ces éléments-là, nous avons une, une, simpli, une simplicité, si vous voulez, donc une présentation simple des sources, mais toute la complexité réside et c'est tout le, la tâche de l'exégète, enfin, détudier cette complexité de la rédaction. Quant à Jean, qu'il faut faire entrer dans le schéma. Jean est certainement euh, chronologiquement postérieur aux autres évangiles. Donc, il faut mettre Jean ici comme le dernier des, des évangiles canoniques, avec une dépendance vis-à-vis -vis de Marc, Matthieu et de Luc. C'est en tout cas l'hypothèse qui n'est pas généralement mise, mais qui, qui prévaut de plus en plus. Enfin, il y a une certaine progression de cette hypothèse de la dépendance de, Luc, euh, de Jean vis-à-vis -vis de, des trois synoptiques. Voilà, c'est le schéma fondamental des deux sources et de la dépendance de Jean vis-à-vis -vis des trois synoptiques. Alors là, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut rendre compte de Jean comme étant un évangile qui connaît les trois autres et qui réécrit l'histoire après eux en s'appuyant sur eux Ou bien est-ce qu'on doit considérer qu'il est aussi dépositaire de traditions tout aussi anciennes que les synoptiques peut-être plus anciennes, peut-être plus originales, et qu'on doit donc, pour retrouver l'histoire de Jésus, le mettre en comparaison avec eux pour faire une analyse régressive. Alors, sans aucun doute, il doit bien contenir quelques traditions qu'on ne trouve pas dans les synoptiques. Alors, moi je, moi je crois que la rédaction jeannique, la première, nest pas, tout à fait la plus ancienne, est absolument indépendante de synoptique. C'est très important parce que jusqu'à il y a quelques décennies, surtout dans les milieux non catholiques, Jean dépendait uniquement des synoptiques. Alors que maintenant, si on admet, et je ne suis pas le seul à avoir dit ça, ça a été dit avant moi, que Jean remonte à une documentation propre à lui, alors ça fait deux sources indépendantes pour arriver à comprendre qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. C'est très important. Alors comment se situe Jean par rapport à ces schémas-là. Hein Donc, euh, on aurait... Alors, j'ai appelé, on pourrait les appeler euh, Jean 1, Jean 2, Jean, Jean... 4 niveaux, n'est-ce pas Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4. En fait, j'ai fait un peu différent. Le premier niveau, je l'ai appelé document C, qui correspondrait à Jean 1. Pourquoi document C Parce que, quand j'ai élaboré ça, j'avais déjà fait ces travaux-là, et ce document est utilisé par Luc et par Jean, hein, lui qui l'a utilisé aussi. Hein, donc j'ai gardé le texte document, puisque j'avais document A, document B, ici, hein, document C, qui a donné naissance à Jean II. Ici, qui a donné naissance à Jean... Alors théoriquement, à Jean III. En fait, euh, comme le vocabulaire, la façon de parler est la même, je crois que c'est le même auteur, Jean II et Jean III. Donc j'ai appelé ça Jean 2 A, et ici Jean 2 B. Et enfin, on arrive au dernier niveau, Jean III. Alors, le document C est indépendant des documents anciens ici. fait Jean 2A a été influencé par la tradition synoptique, mais donc pas les évangiles tels qu'on les a maintenant. Donc, en gros, mettons ce niveau-là, qui a influencé Jean 2A. Jean 2B a été influencé par le dernier niveau. De rédaction de l'évangile, donc ici, et puis Jean III, qui a assez peu modifié, qui a rejudaïsé, je crois, l'évangile de Jean, donc on ne peut pas mettre rapport avec les synoptiques. C'est très difficile en détail d'assigner tel ou tel verset à un niveau ou à un autre. En règle générale, nous avons le témoignage du disciple bien-aimé. Quand il est encore à l'intérieur de la synagogue, et ensuite, quand la communauté johannique se sépare de la synagogue. Probablement, ce qui se rapporte à l'accomplissement des Écritures représente un niveau très primitif des Évangiles. En revanche, les discours de Jésus sont mis en forme tardivement. Au début, il y aurait eu des miracles, des paroles de Jésus, et un récit de sa mort lu comme accomplissant les écritures. Et quand au dernier niveau, le matériel des discours a été développé, plusieurs passages de l'Évangile de Jean ont laissé apparaître des doublés ou des répétitions. Le chapitre 12, les chapitres 15, 16, 17 viennent ainsi tardivement. Le chapitre 21, lui, a été ajouté au dernier stade de la rédaction de l'Évangile. Peut-être aussi les 18 versets du prologue. Alors là, nous sommes devant une œuvre qui s'est développée avec le temps. Mais alors, là, nous n'avons plus idée, à la manière à, à l'époque moderne, de la manière dont une œuvre se développe dans l'Antiquité. Nous imaginons qu'un homme, un beau jour, prend sa plume, écrit un livre de A à Z, et qu'ensuite on n'y touche plus. Il y a le droit d'auteur, n'est-ce pas Et il ne faut pas euh, se tromper en attribuant un auteur ce qui ne vient pas de lui. L'Évangile selon Jean, tel que nous le connaissons aujourd'hui, serait donc le résultat de rédactions successives, sans que l'on sache avec certitude. Si elles ont utilisé le texte des évangiles synoptiques. Quoi qu'il en soit, Marc, Matthieu, Luc et Jean semblent tous faire référence à un même récit de la Passion. C'est alors que Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écrit bien des Juifs purent le lire, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. En fait, nous pouvons, euh, par critique littéraire, par critique, et, euh, de, deux grandes traditions majeures, mettons celle de Marc, représentée ensuite en partie par Matthieu et Luc, et puis celle de Jean. Deux grandes traditions touchant le récit de la passion, parce que maintenant nous ne nous occupons que du récit de la passion. Euh, deux traditions rapportant un récit de la passion mis sans doute très tôt par écrit hein, et commençant euh, par l'arrestation de Jésus euh, au, au mont des Oliviers. Et vous euh, voyez, cette, on peut constater facilement hein, combien ces deux traditions, celle de Marc, prises par Matthieu et Luc et, et celles de Jean et eh bien sont euh, étroitement parallèles euh, et similaires hein, euh, par bien des côtés et pourtant il faut remarquer aussi euh, qu'il y a entre eux de euh, quelques différences importantes alors je dirais que l'écriture Johannique peut-être plus typique dans le reste de l'évangile que dans le récit de la passion, puisque dans le récit de la passion, euh, nous avons affaire à un long récit, ce qui est moins typique du reste de l'évangile, et à un long récit qui est manifestement très nourri de données traditionnelles, euh, parallèles au synoptique, ou euh, à une autre source parallèle euh, au synoptique. Donc c'est narratif. Mais c'est typique de Jean quand même, en ce que, d'une part, le récit lui-même est très dépouillé. Si on compare aux trois autres évangélistes, on n'a pas ici euh, Simon de Sirène, le chemin vers le calvaire. Euh, L'épisode sur les brigands euh, est réduit à l'essentiel. Ce ne sont d'ailleurs même plus des brigands, simplement deux de part et d'autre. Jésus est au milieu. Alors, ce qui est typique de Jean, je crois, c'est un, un centrement sur Jésus présent dans les autres évangiles, mais ici radicalisé. Deux autres, un ici, un là, Jésus au centre. Dans l'hypothèse que Jean ne dépend pas des synoptiques, qui a été longtemps l'hypothèse commune, et même s'il dépend de synoptique, il y a le fait tout de même euh, important qu'à partir du chapitre 18 de Jean, il suit euh, la ligne synoptique, il suit le récit synoptique. C'est un, un récit très parallèle que nous avons pour la Passion. Il y a bien sûr, par exemple, pour le Pilate, le procès de Pilate, qui a été développé à sa manière, euh, avec différentes sections. Enfin, donc, les Juifs restent en dehors, et, et puis Pilate euh, change de place de temps en temps, etc. Enfin, donc, c'est autre chose Il a développé sa, à sa manière, mais tout de même, c'est le récit synoptique, enfin, c'est la ligne synoptique qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean. Et pour, pour beaucoup d'auteurs, pour Jérémie, le temps etc., sont... Euh, cette similitude entre Jean et les synoptiques est un argument très fort pour dire qu'il doit y avoir une source commune pour le récit de la Passion. Même s'il n'accepte pas cela pour les autres parties de l'évangile de Jean, il l'accepte pour le récit de la Passion, il doit y avoir un récit commun. Dans les évangiles synoptiques, nous trouvons plusieurs éléments identiques account, à ceux de Jean. Selon le récit de Jean, une fois que Jésus est crucifié, Quatre scènes essentielles se produisent. Premièrement, la lecture et l'interprétation du panneau placé sur la croix. Deuxièmement, le partage des vêtements. Troisièmement, les paroles de Jésus à sa mère et aux disciples bien-aimés. Finalement, Jésus assoiffé et sa mort. Il y a donc quatre parties fondamentales. Ce qui est très intéressant, c'est que ces éléments se trouvent aussi chez Marc, Matthieu et Luc. Nous trouvons le panneau sur la croix, le titre Roi des Juifs, le partage des vêtements. Les synoptiques mentionnent également les femmes près de la croix et le fait que Jésus reçoive à boire du vinaigre ou du fiel. Ces éléments communs remontent donc probablement aux origines de la tradition. Jean les développe à sa manière. Mais il y a des problèmes qui se posent à propos de cela également. Parce que l'argument fort, donc cette, continu, cette chronologie, c'est une chronologie qui est dans les faits parce qu'il y a l'arrestation avant le procès, etc. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont normaux. Donc, il est normal, quand on écrit un récit de la Passion, il y aura une certaine chronologie, il y aura une certaine suite des événements. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser cela pour une hypothèse littéraire d'une source? Ça va être autre chose. C'est inscrit dans, dans les faits, éventuellement, cette ligne, mais ce n'est pas nécessairement une source. Et puis, l'Évangile de Jean, l'argument de l'Évangile de Jean, perd de sa valeur quand il s'agit d'un texte qui est dépendant des synoptiques et aussi pour, la récit de, pour le récit de la passion suit le, le récit des synoptiques. Bien sûr, à sa manière, parce que l'Évangile de Jean, il y a beaucoup des éléments aussi du, du récit de la passion qui ont été anticipés. Et il y a, par exemple, dans, dans, dans l'évangile de Marc et dans les synoptiques, il y a une visite à Jérusalem. Eh? Donc euh, le, le, schéma, le schéma chronologique, quand, euh, Jésus va à Jérusalem pour y mourir finalement eh? une fois. Eh? Donc c'est euh, un ministère d'un an, an finalement eh? et, un, et un voyage à Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, il, il y passe pour chaque fête de Juive, il passe à Jérusalem. Dans les synoptiques, donc vous n'avez qu'une montée de Jésus à Jérusalem. Dans Jean, vous en avez trois. Hein. Alors, et, et dans Jean, dans les synoptiques, on a l'impression que le ministère de Jésus dure euh, 8-9 mois, au grand maximum, hein, 6-9 mois. Et dans Jean, ça fait au moins, encore une fois, 2 ans et demi, sinon 3 ans et demi, hein, suivant la fête qu'on donne au chapitre 5, là, qui n'est pas nommé. Pas Alors, qui a raison Est-ce que ces gens ont simplifié euh, Pardon, au contraire, est-ce que ce sont les évangélistes euh, synoptiques qui ont simplifié perspective, Ou est-ce que c'est Jean qui l'a amplifié Il y a des précisions dans l'évangile de Jean. Le plus tardif des quatre évangiles dans sa rédaction actuelle, qui ont été prises par la critique à une certaine époque, comme des rectifications des synoptiques, en disant non, non mais les synoptiques se trompent. Jean euh, dit euh, Jésus est monté, il est monté trois fois, cinq fois à Jérusalem, et, euh, bon, alors qu'il n'y a qu'une montée à Jérusalem dans les synoptiques, et il a une tradition qui rapporte que, etc. etc. Bon. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous vous rendez compte que c'est pour d'autres motifs que. Jésus s'inscrit dans ces célébrations euh, des fêtes juives, la fête des tabernacles, la fête de Pâques. Pourquoi il monte plusieurs fois à Jérusalem, etc. Ça n'est pas un souvenir historique. C'est une construction doctrinale, idéologique, si vous voulez, théologique, en tout cas. Je veux dire que Jean utilise certaines traditions indépendantes des synoptiques ou qu'il utilise les synoptiques. Il le fait avec une très grande liberté d'écriture. Hein. Et donc, savoir quelles sont ses sources ne nous aide pas, dans ce cas-là, à l'interpréter, puisqu'il a une grande liberté d'écriture. La source n'aide à interpréter l'écriture que quand elle résiste, que quand elle, elle maintient des corps étrangers à l'intérieur d'un texte qu'il faut pouvoir expliquer. Alors parfois, c'est une bonne manière d'évacuer des choses qu'on ne comprend pas en disant que ça vient d'une source. Hein euh, et dans certains cas, il faut le dire. Je crois qu'il faut être rigoureux et, et le dire dans certains cas. Ben, il y a certainement une grande liberté dans l'usage que Jean a fait des synoptiques. Enfin, si nous acceptons l'indépendance vis-à-vis des il faut le présenter comme un texte qui est semblable, qui est similaire aux synoptiques dans certains passages et qui sont les passages dits. Dit synoptique dans l'évangile de Jean, sur lequel on se base normalement pour dire il y a éventuellement une source commune ou une dépendance de Jean vis-à-vis -vis des synoptiques, etc. Mais il faut également souligner la différence. La différence qui peuvent être la différence de texte dans un certain passage qui est présenté autrement, dans, dans un autre vocabulaire avec une autre pointe, ou aussi des divergences dans la composition de l'évangile. Dans l'arrangement des péricopes et dans, dans, dans le déroulement de, de la vie de Jésus, si on peut dire ainsi, donc dans l'évangile de Jean. Et de ce point de vue-là, vue je crois qu'on doit dire que, que l'évangile de Jean ne peut pas se lire comme les autres, simplement. Euh, on ne peut pas le comparer aux synoptiques comme on compare les synoptiques entre eux. Parce qu'il a une plus grande liberté d'écriture, il n'a pas le même rapport à ses sources. Et on ne peut pas non plus le comparer au synoptique comme récit, parce que c'est une, une sorte de mélange original de, de discours, de dialogue et de récit, où finalement le récit est, est un peu secondaire. Dans le petit épisode euh, qui sert de, de point de référence, à notre conversation, la description de l'événement crucifixion de Jésus est d'une brièveté extrême. Mais la part donnée au commentaire à travers le titre, je dirais le, le point fixe sur l'écriteau mis au-dessus de la croix, plutôt que sur les clous qu'on enfonce dans les mains, euh, c'est très typique de l'évangile de Jean finalement. Le chapitre 21 du quatrième évangile désigne le disciple que Jésus aimait comme l'auteur du texte. Dans les dernières lignes, nous lisons en effet, c'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique. Mais quel est ce disciple dont le nom n'est pas cité? Qui est l'auteur de l'Évangile selon Jean The gospel itself doesn't tell us... L'évangile lui-même ne nous dévoile pas l'identité du disciple bien-aimé, ni où, ni quand l'évangile a été écrit. La manière dont l'histoire est racontée fournit quelques indices, mais le texte lui-même ne donne pas cette information. Les pères de l'Église identifient Jean, fils de Zébédée, un des douze disciples de Jésus, comme l'auteur de l'Évangile. Mais rien n'est certain. Nous devons donc étudier les données internes à l'Évangile et les comparer à la tradition des pères de l'Église. Dans l'épilogue, dans le chapitre 21 du, du, du dictionnaire de, de l'Évangile de Jean, nous voyons que dans, une, dans la dernière des apparitions, dans une des dernières apparitions du Christ ressuscité, Jésus se manifesta au bord de la mer de Tibériade, un jour où Simon Pierre, Thomas appelé Didyme (Didyme c'est la traduction grecque de Thomas qui est un mot araméen), Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble avec Simon Pierre qui leur dit :« Je m'en vais à la pêche. » Bon, voilà que je, le, le disciple que jésus aimait nous parle des, des fils de zébédée comme des hommes objectivement connus comme tels alors lui était-il l'un des deux fils de zébédée vraiment nous sommes là dans une espèce de, de contradiction interne euh, qui euh, distingue le, euh, le responsable de l'évangile le témoin dont on a mis par écrit le, le témoignage de, qui le distingue lui dont il sera question à la fin du chapitre qui le distingue des deux fils de Zébédée mentionnés objectivement comme faisant partie du groupe des douze. Mais c'est la question. Est-il l'un des douze? Dans les synoptiques, les douze disciples sont absents de la crucifixion. Pierre n'y est pas, ni aucun autre. Et si l'on veut harmoniser les récits, peut-être faut-il se dire. Que le disciple n'était pas l'un d'eux, puisque les douze ne sont mentionnés ni chez Jean, ni dans les synoptiques. Le disciple bien-aimé était peut-être simplement l'un des nombreux disciples qui ont suivi Jésus. Dans l'évangile de Jean, vous avez à la fin, on dit que c'est le disciple que Jésus aimait hein, qui a écrit tout ça. Alors, qui a écrit tout ça, il hein, faut prendre ça avec grosso modo, ça peut être un qui est à l'origine de toutes ces traditions-là. Bon. Si je prends l'évangile de Jean, alors euh, à peu près maintenant, la plupart des exégètes, euh, même catholiques, reconnaissent que ça ne peut pas être Jean l'apôtre. Hein. Pourquoi Parce que le disciple que Jésus aimait apparaît seulement euh, au chapitre 13 de l'évangile de Jean, donc à Jérusalem, hein, c'est les récits de la Passion qui commencent là, à Jérusalem, hein, et puis... Euh, en plus, est, il est identifié explicitement à l'autre disciple euh, qui accompagne Pierre bah, au moment où il, a, il suit Jésus. Or, euh, Pierre ne peut pas entrer bah, dans la cour du grand prêtre ou entrer Jésus, et l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, bah, peut le faire entrer. Bah. Alors, on ne voit pas très bien comment euh, Jean, pêcheur en, en Galilée, euh, habitait à Jérusalem et puis était connu du grand prêtre. Ça ça va, ça va pas très bien. Pas puis pour d'autres raisons encore, enfin, actuellement, on admet assez couramment que ça ne peut pas être Jean, euh, l'apôtre, pas euh, qui est l'auteur. Et il y a une théorie qui s'est très développée euh, à la fin du 19e siècle, que serait en tout cas un disciple Yérozolemite, donc de Jérusalem parce que l'évangile de jean parle beaucoup plus de jérusalem et le sud que, que du nord enfin c'est un évangile qui a des traditions dit donc de jérusalem et donc l'auteur de l'évangile doit être lui-même de jérusalem ou doit reposer donc sa tradition doit reposer sur un témoignage de quelqu'un de jérusalem la preuve, c'est que dans le récit de la passion tel que nous le rapporte Jean, c'est lui qui avait des acquaintances avec les milieux des grands prêtres et qui a introduit Pierre dans la cour du grand prêtre. Alors là, euh, c'est un indice tout de même intéressant pour montrer son, euh, la façon dont il a une entremise pour, euh, pour pénétrer lui-même dans la cour du grand prêtre. N'importe qui n'entrait pas dans la cour du grand prêtre. Il fallait qu'il ait des connaissances avec la concierge, avec... Vous savez, les concierges sont des gens avec qui on entre en rapport et qui vont faciliter les choses. Bon, euh, il est en rapport avec les milieux sacerdotaux. Alors, moi, je m'en tiens encore au... au texte de l'Évangile de Jean. Quand Lazare est malade, hein, euh, ses sœurs on voit vers lui en lui disant, celui que tu aimes est malade. Il n'y en a pas deux. Celui que tu aimes est malade. Et quand ils arrivent à la tombe, Jésus pleure, et les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Or, celui que tu aimes est malade, l'expression est à peu près identique à celle que l'on a, le disciple que Jésus aimait. Donc moi je pense, si on s'en tient au texte johannique, ce serait Lazare qui serait à l'origine de, de ces textes les plus anciens sur Jean. Alors, Lazare, bon, euh, Béthanie, donc c'est près de Jérusalem, aucun. Il était certainement d'une famille assez noble, donc euh, aucune difficulté à ce qu'il soit euh, à Jérusalem, ben, il intervienne, et puis comme du grand prêtre également. On n'a aucune preuve, mais enfin, y a, y a même pas, pas de, il n'y a au moins pas l'impossibilité qu'il y a pour un pêcheur de, de Galilée. Ça. Jésus est avec Lazare au chapitre 12. Le disciple bien-aimé est avec Jésus au chapitre 13. Le disciple bien-aimé semble être un judéen, familier de la géographie de la Judée. Il semble aussi connu du grand prêtre. Cela correspond évidemment mieux à Lazare qu'à un pêcheur galiléen. Néanmoins, l'évangile s'interdit de procéder à cette identification. Peut-être est-ce Lazare, peut-être est-ce quelqu'un d'autre. Si c'est Lazare, c'est très significatif qu'on retrouve des bandelettes dans la tombe de Jésus. Quand Lazare revient à la vie, il est encore lié par des bandelettes. Or, le disciple bien-aimé voit des bandelettes dans la tombe de Jésus et il croit. Puis, à la fin du chapitre 21, nous lisons que la communauté pense que le disciple bien-aimé ne mourrait pas avant le retour du Seigneur. Une fois encore, si ce disciple était Lazare, qui avait déjà échappé à la mort, il était naturel qu'il croit qu'il ne mourrait pas à nouveau. En tout cas, pas avant le retour du Seigneur. Il y a donc un certain nombre de détails qui prennent du sens si le disciple bien-aimé est Lazare. Mais nous devons rester prudents, puisque l'Évangile se refuse à cette identification. Je crois en effet qu'il est difficile de dire que le disciple bien-aimé bien est l'auteur de l'Évangile comme tel. C'est plutôt si c'est l'auteur qui se présente comme le disciple bien-aimé. Ce n'est pas la même chose, bien sûr. Enfin. Parce que les textes sur les disciples bien-aimés sont des textes certainement rédactionnels, je crois. Donc, dernier niveau de l'Évangile. N'importe quelle hypothèse qu'on propose, euh, il y a des hypothèses qui disent, enfin, il y a une source, a plusieurs sources, il y a l'évangéliste, il y a le rédacteur, rédacteur, comme on dit, ecclésiastique. Eh bien, euh, dans une hypothèse pareille, on dit plutôt, ce sont des textes de ce rédacteur euh, ecclésiastique. Donc, dernière phase de la rédaction de l'Évangile. Ou bien, quand on fait une distinction entre la source de l'Évangile et l'Évangéliste, on dit, c'est l'Évangéliste qui a ajouté ce texte sur le disciple bien-aimé. Je ne crois pas, pas que ce personnage se soit désigné lui-même comme disciple bien-aimé. C'était un titre honorifique. Il y avait peut-être d'autres disciples qui exerçaient l'autorité. Pierre, par exemple. Mais pour la communauté, le disciple bien-aimé représentait la source de la tradition. Donc, on vénérait ce disciple et on lui reconnaissait une autorité supérieure à celle de Pierre. Ainsi, on lui conféra le titre de disciple que Jésus aimait. Alors, à partir de ce moment-là, se demander qui est le disciple, me paraît être un peu une question oiseuse. Un peu une question oiseuse. Identifier son nom euh, serait transgresser sa volonté, puisqu'il se donne lui-même comme anonyme et il ne se qualifie que par l'amour que Jésus lui porte. Il est structurellement entre Jésus et le lecteur de l'Évangile, ou entre Jésus et le croyant, comme le témoin fondateur mais un témoin qui croit. Il est aussi celui qui voit pour pouvoir témoigner. Il est aussi celui qui voit le tombeau vide et qui croit. Au chapitre 20, il est un témoin croyant, il est une foi euh, croyante. Il se distingue de Thomas en ce qu'il raconte Thomas et ne se raconte pas lui-même. Hein? Et il se distingue de Lazare, pour moi, fonctionnellement dans l'Évangile, en ce que Lazare est un bénéficiaire, alors que le disciple est un intermédiaire. Maintenant, savoir qui il est, savoir son nom, je crois qu'il ne faut pas chercher à le savoir, puisqu'il le dérobe, et il ne le dérobe pas pour qu'on le trouve. Hein? Il, y a, il y a des cas où on peut dérober un nom pour le faire chercher. Et ici, il ne le dérobe pas pour le faire chercher. Et d'autre part, euh, savoir qui il est comme personnage historique, c'est-à-dire est-ce qu'il est finalement la référence historique d'une communauté à un moment donné? Euh, me paraît une question très difficile à résoudre. c'est seulement vers la fin du deuxième siècle que la tradition chrétienne prit l'habitude de nommer l'évangile selon marc, selon matthieu, selon luc, selon jean. Selon signifie qu'il n'y a qu'un seul évangile, celui de Jésus-Christ, rapporté sous quatre formes différentes. Chaque évangile est donc l'expression, non d'un auteur, mais d'une tradition à laquelle il se réfère. Pour moi, l'évangile de Jean, un peu plus de la moitié, un ensemble qui représente un peu plus de la moitié de l'évangile de Jean, euh, naît euh, vers 80 du disciple de Jean et successeur de Jean qui est, et qui s'appelle également Jean, Jean le presbytre. Je pense que c'est lui qui, autour du récit de la passion, va faire une nouvelle narration du ministère et de la mort de Jésus. Donc, qu'il y ait là-dedans des éléments historiques, c'est presque certain, parce que euh, il y a une petite allusion au travail de Jean le presbytre qui a utilisé les traditions des traditions particulières, donc probablement que des souvenirs de Jean l'apôtre ont été utilisés dans l'évangile de Jean. Donc il y a certainement des souvenirs de Pierre et de Jean dans les évangiles. Mais nous, euh, nous ne pouvons pas distinguer ces souvenirs parce que ces souvenirs sont pris dans une rédaction où tous les noms, toute l'organisation sont soumis à une, euh, disons une série de projets. Qui sont d'abord les projets des auteurs des premiers écrits, puis le projet didactique qui va gouverner la mise en forme définitive des évangiles. Alors, quant à. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a attribué à Jean pas, cet évangile Alors là encore, je m'appuie sur les textes toujours, n'est-ce pas Et depuis très longtemps, dès le IIIe siècle, j'avais vu cette hypothèse-là qui était faite dans la patristique IIIe siècle, n'est-ce pas euh, Nous avons un, un écrivain ecclésiastique qui s'appelait Papias, avec de Hierapolis, qui écrivait vers 130-135, euh, qui donne les témoins pas anciens. Alors, il cite les apôtres, avec Jean l'apôtre parmi eux, et de Jean l'apôtre, il distingue deux noms, dont Jean l'ancien. Il appelle Jean l'ancien, qui est distinct de Jean l'apôtre. Nous avons au fond un groupe de traditions johanniques euh, qui possède suffisamment d'affinités... Pour avoir pu être rattaché au même personnage portant le nom de Jean, nous savons tout de même, par des traditions du, deuxième, du début du IIe siècle, qu'à côté de Jean l'apôtre, il existait un Jean le presbytre. Nous le savons d'ailleurs par les épîtres de Jean, car la deuxième et la troisième épître sont attribuées explicitement à Jean le presbytre. Je prends. La troisième épître de Jean, moi l'ancien, presbytéros, moi l'ancien au très cher Gaius que j'aime en vérité. Bon, alors, Jean l'ancien, Jean le presbytre, c'est donc un personnage euh, qui est l'auteur des trois épîtres et qui ne se donne pas comme Jean l'apôtre. Alors, faut-il distinguer le disciple bien-aimé, responsable de la tradition joannique Jean le presbytre, c'est-à-dire l'ancien, auteur des épîtres, et peut-être a-t-il mis la main à la rédaction finale de, de l'évangile, du quatrième évangile, ou bien, et puis en plus, euh, Jean le prophète, auquel on doit l'Apocalypse. C'est une possibilité, je n'exclus d'ailleurs aucunement que le disciple que Jésus aimait, le disciple préféré de Jésus, portait le nom de Jean. C'était un nom extrêmement commun dans le, dans le judaïsme du temps. Par conséquent, ça n'est pas à exclure. Et peut-être que ça expliquerait la manière dont Saint Irénée, à la fin du IIe siècle, a confondu tous ces auteurs-là sous le même nom. Toute notion d'inspiration qui, qui voudrait dire il faut absolument... Euh, mettre de côté toute cette histoire et continuer à dire que c'est dès le départ que l'apôtre Jean a écrit le texte qu'on qu trouve dans les manuscrits, alors ça serait une falsification de l'histoire à partir du moment où l'histoire est établie. Avant, ça peut être une ignorance de l'histoire qui n'a pas beaucoup d'importance en soi, mais euh, on ne peut pas cacher l'histoire à partir du moment où elle est établie. Nous ne saurons donc vraisemblablement jamais l'identité du disciple que Jésus aimait, ni même s'il fut une personne réelle ou une figure idéalisée. Demeure donc la question, quand et par qui fut écrit l'Évangile attribué à Jean Comment la rupture qui s'est produite à l'intérieur du judaïsme s'inscrit-elle dans ce texte Rupture qui va finir par donner naissance au christianisme.